LibreOffice Impress. Quand vous lancez un nouveau document, il va vous proposer de faire un choix de différents thèmes. Alors vous avez différentes présentations en fait hein, qui vous sont proposées. On va prendre par exemple l'illustration naturelle, un clic dessus et ouvrir. Et automatiquement, vous voyez, vos diapositives vont avoir ce genre de présentation. Le titre par exemple ici, il suffit simplement, vous voyez, de cliquer à l'intérieur de ces zones et d'y mettre du contenu. Cliquez pour ajouter un titre, un clic dessus, automatiquement il va vous proposer une police adaptée, enfin une taille surtout adaptée. Et les secondes vignettes, hein, les suivantes, il va proposer un autre type de fond. L'objectif du jour sera de faire un diaporama. Alors sur les écrivains en Picardie. Bon, après vous ferez celui que vous avez envie, hein, mais moi c'est un petit exercice que je donnais il y a quelques années et du coup je trouve qu'il est très approprié puisqu'il inclut de l'animation, enfin du GIF, de la gestion d'images transparentes en PNG, des images, insertion d'un objet dessin avec du texte à l'intérieur. Et nous avons trois autres diapositives sur Jean Racine, Alexandre Dumas et Jean de La Fontaine. Alors, on l'entend peut-être pas, mais il y a un bruit, un son de changement de page. Donc là, j'ai mis un timing de 10 secondes entre chaque diapositive. Donc il est automatique, en fait, j'ai pas besoin de cliquer. Donc on va voir les animations, les transitions. Avec différentes animations, hein, pour vous donner un petit panel de ce qu'il est possible de faire. Et la dernière, il va nous falloir quand même quelques éléments. En l'occurrence, des images et le son de transition que j'ai souhaité mettre entre chaque diapositive. Pour ça, je vais vous conseiller, pour récupérer une image, c'est tout simple, hein, Google. On précise ici Google Image en cliquant une fois. Ensuite, je lui mets ce que je cherche, par exemple la colombe. Pour aller un peu plus loin, j'ai ici une option outils que je vais utiliser pour lui dire que, vous avez vu la colombe tout à l'heure, elle était animée. Donc on va utiliser un GIF. Donc dans type, on va lui spécifier que c'est un GIF. Comme ça, il va nous proposer que des images GIF animées pour la plupart. Comme vous avez pu le constater, c'est celle-ci que j'ai récupérée. Donc je clique une fois dessus. Ensuite, je fais, dans l'aperçu qui est ici à droite, je fais un clic droit, afficher l'image. Une fois que j'ai affiché mon image, je me positionne au milieu, je clique droit et j'enregistre cette image sous. Enregistrer l'image sous. Et ensuite, je vais la placer dans le dossier que j'aurais créé au préalable. Dans mon dossier de travail, j'aurais créé un dossier image pour y mettre toutes les images que j'ai besoin. Donc là, je ne vais pas le faire. Alors, surtout, pensez bien à nommer hein, les noms des fichiers pour bien les retrouver plus facilement. Pour l'image concernant les livres, donc ces livres, alors là on n'est plus sur du GIF, on va plutôt prendre des images clipart, c'est des dessins en fait, hein. Et couleur, on va y mettre ici transparence, pour qu'on puisse avoir un jeu de transparence. Elle était en noir et blanc celle que j'avais, hein, mais
C'est l'importance, l'essentiel, c'est que vous trouviez quelque chose avec de la transparence. Alors comment je vois que mon image est transparente? Dans mon aperçu ici, vous allez voir qu'il y a des damiers au fond. Ce n'est pas un fond blanc, c'est un fond à damier. Le damier veut illustrer en fait la transparence d'une image. Donc pareil, clic droit, afficher l'image. Alors ne vous inquiétez pas sur cette partie-là, on ne la voit pas, mais c'est bien une image transparente. Un clic droit ensuite, enregistrer l'image sous. Donc je ne vais pas vous guider pour la dernière image puisque c'est pratiquement la même chose, sauf qu'il n'y a pas de transparence, mais après, libre à vous de choisir ou pas cette transparence. Ensuite, pour le son, j'ai un petit site à vous proposer qui est vraiment pas mal. Alors bien sûr, c'est des sons libres de droit et gratuits. Par contre, effectivement, puisque c'est gratuit, si vraiment vous utilisez beaucoup ces sonorités, un petit don, même ne serait-ce que 1 ou 2 euros, ça fait toujours plaisir. C'est pas pour moi, hein, c'est pour Joseph Sardin qui lui a mis en place ce site internet et propose ses sons qu'il a lui-même fabriqués. Donc je vous invite à aller faire un petit tour. L'adresse c'est lasonothèque.org. Là, je lui ai mis simplement dans la recherche de son site. Livre, et il va me proposer, vous voyez, tout un tas de sonorités. Alors pour avoir un aperçu du son, j'ai juste à cliquer sur le petit bouton qui est ici, et là je vais entendre une sonorité, et si je veux le récupérer, je clique sur téléchargement, et ensuite je choisis le format que je souhaite, en sachant que LibreOffice Impress peut gérer le MP3. Donc, de préférence, utiliser le MP3. Une fois que vous avez choisi le format, vous cliquez sur télécharger, et pareil que pour l'image, enregistrer sous. Si il ne vous demande pas, il est dans le dossier téléchargement. Si par contre il vous le demande où est-ce que vous voulez l'enregistrer, spécifiez-lui le dossier que vous aurez créé au préalable, le dossier son dans votre dossier de travail. Surtout, pensez bien à le nommer. Et ensuite, il suffira de cliquer sur enregistrer. Nous avons préparé au préalable donc nos éléments. Donc j'ai un dossier moi que j'ai appelé Impress, mais vous, vous allez peut-être l'appeler diaporama ou en fonction du slide que vous souhaitez préparer. On aura bien sûr le fichier qu'on enregistrera de travail, mais on a bien créé un dossier image, un dossier son. Et dans image, je vais retrouver les images que j'ai besoin. Et dans le dossier son, les sons ou le son que j'aurai besoin. Maintenant, on va pouvoir travailler. Donc, je vais lancer LibreOffice. Donc, il va commencer forcément avec un document vierge, LibreOffice Impress. Donc je ne vais pas choisir de modèle, donc je vais juste cliquer sur annuler. Et là je vais partir sur une mise en page qui est vierge. Alors pour avoir cette proposition ici de mise en page, il suffit simplement de cliquer sur la barre latérale à droite sur ce bouton et vous verrez ici la partie mise en page. On verra tout à l'heure qu'on utilisera d'autres mises en page. Donc nous, ce qui nous intéresse pour la première page sera celle-ci. Une page complètement vierge, où il n'y a rien du tout. Pourquoi? Parce que tout simplement, on avait ici une espèce de parchemin. Alors avant de fabriquer ce parchemin, on va aller voir l'outil, la barre d'outils, pardon, dessin, qui est ici. Où on a tout un choix d'outils, comme insérer une ligne, donc il suffit de donner un point de départ en maintenant mon clic gauche, de donner un point d'arrivée, en sachant que ce point, ce trait, peut être modifiable à tout moment en cliquant sur ces poignées dans chaque extrémité.
Et si je souhaite déplacer, je me positionne au milieu. J'ai ce symbole de déplacement en forme de 4 flèches et je peux cliquer, maintenir mon clic gauche et le déplacer, le déposer ou l'affiner si j'ai besoin. Pour le supprimer, il suffit de cliquer une fois dessus et d'appuyer sur la touche Supre. Le principe va rester à peu près le même pour toutes les figures que vous avez ici. Par exemple, un rectangle. Si je souhaite fabriquer un rectangle, je donne son point de départ et je crée sa zone qui va correspondre à ma forme. Et je lâcherai quand la forme conviendra. Bien entendu, j'ai des poignées tout autour de ma figure. Il suffit simplement de cliquer sur une poignée en sachant que le symbole de votre curseur va représenter le type de déplacement, par exemple ici en diagonale, aussi bien en largeur qu'en hauteur. Si je souhaite garder une proportionnelle, dans ce cas-là, il suffira de laisser maintenir la touche majuscule temporaire ou la touche Shift appuyée pendant mon déplacement, tout en maintenant bien entendu mon clic gauche et en lâchant quand la figure correspond. Comme vous pouvez le constater, par défaut, il me met une figure avec une bordure bleue et un remplissage bleu. Les paramètres sont apparents tout de suite ici. Vous voyez bien que ma zone, la couleur de remplissage est bleue, mais vous avez quelques paramètres que vous pouvez modifier. Par exemple, ici, vous avez la possibilité d'y mettre un dégradé. Vous pouvez choisir quel type de dégradé, s'il est linéaire, axial, radial, ellipsoïde, quadratique. Bon, après, ça va être en fonction de ce que vous souhaitez. Vous pouvez même y régler un angle. Voyez. Et vous pouvez choisir les couleurs que vous souhaitez, primaire et secondaire. Vous pouvez même gérer ce qu'on appelle une transparence pleine, linéaire, axiale, radiale, etc. Donc, on ne va pas faire de remplissage de transparence, mais on peut le faire directement, vous voyez, par le biais de ce curseur. Alors, je ne vais pas aller voir toutes les options, bien entendu. Celles qui pourraient nous intéresser, alors je vais juste reprendre une couleur classique, on va mettre quelque chose d'un peu pâle. Comme vous pouvez constater, j'ai bien une bordure bleue autour de ma figure. Donc en fait, vous avez ici la partie ligne. Dans la partie ligne, vous avez le type de ligne. Et vous précise à chaque fois quel type de ligne. Ensuite, l'épaisseur de cette ligne. Alors vous pouvez bien entendu paramétrer une épaisseur personnalisée. Et vous avez le choix de cette couleur de ligne. Également, gérer une transparence. Alors bien entendu, c'est la transparence seulement de la ligne. Alors, je vois qu'il y a des personnes, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Donc là, je vais remettre à 0%. Donc il suffit juste de saisir la valeur. On peut avoir des styles d'angle arrondi en onglet, donc là c'est plat en fait, et biseauté, donc avec une cassure d'angle. On peut les avoir style de coiffe arrondi, carré, alors on ne le verra pas puisque il n'est pas visible directement, vous voyez, il est visible sur cette proposition là. Je ne vais pas aller plus loin pour ces éléments-là. Je vais supprimer ma forme. Ensuite, vous avez tout ce qui est fléchage. Vous avez même la possibilité de créer des lignes avec un certain angle. Vous avez d'autres formes qui peuvent être plus intéressantes, comme ici. Comme ici. Également, d'autres types de flèches. D'autres éléments. Des bulles,
des formes. Et vous avez même la possibilité d'y mettre des objets 3D. Alors ça, je vais pas m'éterniser là-dessus. Normalement, vous devriez trouver le parchemin. Alors, je me souviens plus. Je pense que c'était ici. Voilà. Le parchemin, vous le retrouvez ici. Alors le parchemin, j'ai pris en version horizontale. Après, libre à vous de prendre celui que vous souhaitez. Je clique, je maintiens mon clic et je lui fais sa forme. Je peux éventuellement modifier, hein, vous voyez. On peut vraiment retravailler après avoir commencé. À créer la forme. Vous avez un point ici, vous voyez, qui va permettre d'agrandir la feuille, vous voyez. Par contre, qui va raccourcir quand même la hauteur. Vous ne pouvez pas le faire en hauteur, hein, c'est vraiment que en largeur. Donc sur notre modèle, on avait plutôt une couleur de remplissage qui était plutôt jaune clair. Après, libre à vous de choisir d'autres couleurs. Et on va mettre peut-être un orange, histoire de varier. Donc ça, c'est un élément que j'ai placé en premier plan. Alors maintenant, on avait un titre à l'intérieur. Le problème, c'est que là, je peux très bien décider d'insérer un champ texte, par exemple. Mais en réalité, vous pouvez directement dans cette forme, dans toutes les formes d'ailleurs, insérer du texte. Il suffit de double-cliquer dedans et automatiquement vous allez avoir votre curseur qui va apparaître avec un alignement centré et au centre verticalement. Vous pouvez bien entendu changer ces paramètres en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc pour l'exercice, c'était les écrivains. Picardie. Ensuite, comme dans le traitement de texte, je peux sélectionner le texte. J'ai ici les paramètres possibles du texte. Choisir la police de caractère, par exemple. La taille de police. Les attributs. Éventuellement, la couleur. C'est relativement simple hein, d'usage, hein, donc n'hésitez pas à mettre en pratique, à faire des petites séries d'exercices de façon à vous familiariser, vous perfectionner dans l'usage de ce logiciel qui est d'une grande simplicité d'usage. Je vois qu'il y a des personnes, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Alors je continue. Alors maintenant nous devons insérer donc notre colombe ici. Donc c'est tout simple, insertion, image. Je vais dans le dossier où j'ai stocké mes images et je sélectionne la colombe. Alors bien entendu, la colombe, elle est peut-être un peu grande. Donc il suffit simplement de prendre une poignée en coin et d'appuyer sur majuscule temporaire de façon... Ah. J'ai dit une bêtise, peut-être qu'il le prend automatiquement sans la majuscule. Voilà. Alors en fait, comme c'est une image, il ne prend pas la majuscule temporaire, puisque par défaut, il garde la proportionnelle. Donc il suffit simplement d'aller vers le centre et de réduire notre image. Et ensuite, la positionner à l'endroit où on souhaite. On peut faire une petite tricherie. Alors pourquoi je triche un peu? Parce que tout simplement, mon image n'est pas transparente. Voilà. Donc nous avons mis notre colombe. Maintenant, nous allons mettre notre livre ici. Donc il suffit... Alors bien entendu, ne cliquez pas sur une image, puisque si vous insérez... une nouvelle image, il remplacera cette image avec la taille que vous lui aurez spécifiée.
Donc là, je vais cliquer à l'extérieur, donc ni là-dessus d'ailleurs. Insertion image. Et là, je vais prendre ces livres que je souhaite mettre ici. Alors, comme vous voyez, le PNG gère la transparence, donc ça veut dire que on va pouvoir voir à travers ces livres. C'est volontaire, hein? Hop. Ensuite, il nous suffit d'insérer l'encrier avec la plume. Alors bien entendu, essayez de garder à l'esprit une dimension qui reste homogène sur votre document. Alors de toute façon, ce qui disparaît au-dessus ne sera pas visible sur votre diaporama. Notre première page est créée. Donc notre première diapo est faite. Ensuite, nous allons créer une nouvelle diapo. Alors vous avez plusieurs possibilités pour créer une nouvelle diapo. Il suffit simplement de cliquer droit sur la zone de diapo, nouvelle diapo, et automatiquement il vous intègre une nouvelle diapo avec la mise en page vierge que vous avez choisi précédemment. Alors du coup, on va en créer trois, on va tout de suite les faire. Hop, hop, hop. Alors ce que j'ai fait, c'est en fait, c'était pas judicieux, tout simplement parce que on va garder la même mise en page pour ces trois là. Donc hop, je sélectionne cette diapo numéro 2. Et je vais prendre la mise en page qui m'intéresse. Et en l'occurrence, ce sera celle-ci. Et là, je vais pouvoir créer des nouvelles diapos qui reprendront, vous voyez, la même mise en page. À partir de là, rien de bien compliqué. Il suffit de mettre un titre. Donc là, j'enracine. Ensuite, vous voyez, vous avez des petites zones ici, c'est très intéressant parce que du coup, quand on veut insérer une image, vous voyez, ça va être très simple. Il suffit juste de cliquer sur ce bouton et on insère l'image. Pouf! Et automatiquement, il va s'adapter en fonction de la zone que nous avons. Maintenant, pour le texte, on ne va pas chercher compliqué. On va sur notre moteur de recherche, j'enracine. Wikipédia. Alors, je ne vais pas prendre tout le texte, je vais prendre un ou deux paragraphes. Voilà. Je sélectionne le texte, je fais un copier-coller, soit un clic droit sur la zone que j'ai sélectionnée, ou soit un CTRL-C comme nous avons vu précédemment. Ensuite, je retourne dans mon diaporama. Alors, par défaut, vous voyez, il vous met toujours une puce. Pour la désactiver, il suffit simplement de cliquer ici. Et ensuite, je colle le texte. Et le texte va automatiquement s'adapter à la taille. Donc, la taille du texte sera en fonction de l'espace qui lui est alloué. On peut après réaménager sans problème. Éventuellement, le justifier de façon à ce qu'il prenne bien la zone. Alors j'ai fait une petite bêtise. Volontaire, mais j'ai fait une petite bêtise. J'ai mis j'enracine. En fait, j'ai oublié de sélectionner la diapo que je souhaitais. Où je souhaitais travailler. C'est pas très grave, puisque en fait, cette diapo, je peux la cliquer, glisser, déposer et la mettre en deuxième. Donc au final, même si vous êtes un petit peu dans le désordre, c'est pas très grave. Alors le mieux, c'est de travailler dans le bon ordre, mais c'est pas très grave puisque on peut déplacer ces diapositives comme bon nous semble, de façon à réorganiser en fait son diaporama. Allez, la diapo numéro 3. Donc c'est Alexandre Dumas.
là. Alors là, du coup, on va changer, on va mettre ici l'image de ce côté-là hein, pour varier un peu. Hop. Et voilà. En fait, il adapte hein, la hauteur ou la largeur en fonction de votre image. Et ici, bah, pareil, je vais refaire du Wikipédia. Alors, c'est Alexandre Dumas père, hein, faut le préciser parce que c'est pas le même. Hop, Wikipédia. Allez, je prends un ou deux paragraphes. Je copie. Alors, moi, je fais le CTRL-C, hein, mais rien ne vous empêche de faire un copier en cliquant droit et copier. Hop, je reprends mon document. Par défaut, il me met une puce. Je la désactive et je colle. Je peux tout sélectionner en faisant un CTRL-A et justifier. De façon à avoir quelque chose d'assez homogène. Et on va terminer avec la dernière diapo. Racine du main. Et j'ai oublié le dernier. On va mettre l'image comme ça. La fontaine. Donc, vous voyez, c'est une grande simplicité. Hein. Jean de la Fontaine. Et ici, pareil, Wikipédia. Donc, on prend un ou deux paragraphes. De toute façon, hein, comme je vous ai dit, il adaptera en fonction de sa zone de texte qui est spécifiée ici. Je désactive la puce et je colle. Je sélectionne tout et je justifie. Donc là, nous avons le contenu de notre diaporama. Alors si je fais un aperçu maintenant, ça va être plutôt fade. Mais alors pour faire un aperçu, en commençant à partir du début, c'est la touche F5 de votre clavier. Si par contre vous souhaitez visualiser à partir de la diapo que vous avez sélectionnée, c'est majuscule temporaire F5. F5 commence du début. Majuscule F5 commence à la diapositive que vous avez sélectionnée. Et échappe pour quitter, hein, si vous voulez quitter avant. Donc là, par défaut, on va faire un F5. Donc on a bien notre animation, on a bien notre titre, etc. Par contre, si je veux passer à la diapo suivante, il faudra que soit j'appuie sur une touche de mon clavier ou soit que je clique sur une zone de mon écran. Et là, il me dit quitter, cliquer pour quitter la présentation. Une fois qu'il a fini le diaporama, hop, il quitte. Moi, j'aimerais que cette animation soit automatisée. Je n'ai pas à revenir. Et puis, ça manque un peu de vie, il y avait des animations sur les éléments. Alors on va voir justement les animations. Alors ce qu'il faut ne pas confondre sur Impress, c'est animation et transition. La transition, c'est entre deux diapositives, c'est un effet qui est créé entre deux diapositives, et l'animation, c'est un effet qui est attribué à un objet. Je vous montre. Par exemple, je veux que la colombe apparaisse progressivement. Je clique une fois dessus et ensuite vous avez sur la barre latérale une option animation qui ressemble à une petite étoile avec des mouvements sur le côté. Un clic dessus, ah, il m'a désactivé ma sélection, c'est pas grave. Donc je reclique sur l'objet pour lequel je souhaite créer une animation et ensuite je clique sur ajouter l'effet. Alors, j'ai un petit bug moi sur ma machine, visiblement il désactive la sélection. Je reclique sur mon parcours, enfin ma timeline d'animation. Je clique sur animation, donc image 1. Et je lui précise quel type d'animation je souhaite. Si c'est une animation d'entrée, d'accentuation, de sortie, de trajectoire ou d'effets divers. Et en fait, dans chaque catégorie, vous aurez différents effets
proposer. Alors je ne vais pas les faire, hein. Je vous laisserai le soin de faire connaissance avec ça. Je vais cliquer sur apparition. Quel effet ça va? Hop. Vous voyez? Touc. Alors j'ai fait dalle. Qu'est-ce qu'on a qui pourrait être sympathique? Allez, ouverture en fondu. Voilà. Il va apparaître progressivement. J'ai la possibilité de lui dire quand débute cette animation. Alors moi, je ne veux pas commencer à vouloir taper au clavier ou cliquer avec la souris. Je veux que ce soit automatique. Donc là, comme c'est la première animation, je peux lui dire automatiquement après le précédent. Alors précédemment, il n'y a pas d'animation, mais c'est pas grave. Donc il va, après le précédent, faire son animation. La durée de l'animation et le délai. Alors moi, je vais rien changer. On a la possibilité aussi d'avoir plus de paramètres, par exemple, jouer un son au moment où apparaît cet élément. Alors, je ne l'ai pas fait, mais on pourrait très bien le faire. Vous voyez, ici, il vous propose, dans aucun son, il vous propose la possibilité de choisir, vous voyez, un son. Voilà. Et après l'animation, est-ce qu'on veut extomper, machin. Vous voyez, il y a quelques paramétrages. Je vous laisserai soin d'expérimenter et je vais valider OK. Donc là, à chaque fois que je lancerai mon animation, quand il apparaîtra, vous voyez, il fera le son. Alors attention, hein, ne pas trop mettre de son non plus. Donc là, moi, je vais juste désactiver ce son. Pour moi, il n'est pas nécessaire. Donc pour le désactiver, aucun son. Et OK. Vous voyez, c'est vraiment relativement simple. Il suffit juste de repérer les éléments. C'est subtil, hein, parce que là, 2 secondes, ça peut paraître peut-être un peu juste. Hop. On va lui mettre un effet sur 4 secondes, vous voyez, il est plus progressif. On pourrait décider que cet élément-là apparaisse juste après. Donc, en fait, il suffit de sélectionner l'objet, de cliquer sur « Plus », de recliquer ici, hein, sur la forme. Normalement, vous n'avez pas besoin de cliquer, c'est peut-être lié à ma machine. Vous cliquez dessus et on peut faire une apparition façon store. Alors je vais mettre par exemple ici plutôt horizontal. Alors 0,50 secondes, ça paraît rapide. Vous pouvez par exemple mettre 1 seconde. Et là, pareil, je ne veux pas que ce soit au clic. Je veux que ce soit après l'animation que j'ai fait précédemment. Donc ce sera après le précédent. Si je montre ma diapositive, vous voyez que ça apparaît d'abord. Et ensuite, apparaîtra mon parchemin. Et comme vous pouvez constater, ça c'était déjà là. Si je veux le faire apparaître après, et bien il suffit simplement de sélectionner l'objet, de cliquer sur plus, de resélectionner l'image avec transparence, de lui faire par exemple une arrivée, comme j'ai fait tout à l'heure, ouverture en fondu. Je vais le placer après le précédent. Donc il viendra bien entendu après le parchemin, donc après la colombe et après le parchemin. On va lui mettre un temps de 4 secondes pour que ce soit un petit peu plus long. Et je vais faire la même chose, mais celle-ci, je veux la faire apparaître en même temps que les livres. Donc il suffit simplement de cliquer sur l'élément, ensuite de sélectionner l'effet, voilà. Je vais lui mettre le même temps, hein, pour que ce soit. Alors là par contre, au lieu de mettre au clic, je vais faire avec le précédent, pas après le précédent. Donc si tout va bien, j'ai ma colombe qui apparaît en fondu, ensuite le parchemin qui apparaît en store et au final le livre et l'encrier va apparaître en fondu en même temps. Donc la colombe, le parchemin
et ensuite les deux éléments qui sont ici. N'hésitez pas à expérimenter chaque effet. Vous avez pas mal de paramétrages impossibles, donc vraiment n'hésitez pas à aller cafouiller, vous amuser, vous expérimenter tout ça. Ensuite, eh ben, on est dans le même esprit pour les autres diapositives. On fait apparaître le texte d'abord. C'est souvent la même chose, hein. Voilà. Ensuite, on veut que l'image et le texte apparaissent en même temps. Donc, je vais d'abord cliquer. Pardon, j'ai oublié quelque chose, bien entendu. Mon effet qui est ici, là, il est au clic, hein. Donc, faut que je sois vigilant là-dessus, hein. C'est que sinon, il attendra que vous cliquiez pour pouvoir passer à la suite. Donc, je vais mettre après le précédent, donc après la diapositive précédente, en fait. Bon, 2 secondes, ce sera très bien. Je vais sélectionner mon image, je vais créer un effet. Je clique sur cet effet. Je vais le faire apparaître en store, plutôt. Donc là, après le précédent, donc après la présentation du titre. Et ensuite le texte. Alors surtout le texte, faites très attention, ne cliquez pas dans la partie du texte. Il faut se mettre en extrémité, en fait, dans le cadre de sélection. Donc il suffit, vous voyez, vous avez le petit repère déplacement. Un clic dessus. Hop là, pardon, c'était pas bon. Voilà, un clic dessus. J'ai bien l'encadrement avec mon texte. Je crée l'effet. Alors, lui, il le décompose en 2 parties, mais vous vous occupez que d'une partie, vous cliquez dessus, toujours pareil, après le précédent. Ah, il ne crée pas d'effet. Ah, c'est parce qu'il faut que je clique en dessous, en fait, hein. Alors, les petits bugs, je ne sais pas si ça vient de ma machine ou la version 7 de LibreOffice Impress. Et il faut cliquer sur le petit plus qui est ici, et cliquer sur la partie. Quel type d'animation. Ensuite, bah, je vais reprendre le même, hein, horizontal. Et là, je ne vais pas mettre après le précédent. Je vais le mettre avec le précédent. Je veux que l'image et le texte apparaissent en même temps. On va le vérifier. Majuscule F5. Donc là, je ne veux vérifier que cette diapositive-là. Donc j'ai bien ça. Ensuite, en même temps, les deux, le texte et l'image. On a l'impression qu'il y a un petit décalage, mais... Avec le précédent. Voilà. Donc là, avec le précédent. Alors on peut vérifier, hein, toujours les animations, hein, il suffit simplement de cliquer dessus, et puis de vérifier les options sélectionnées. Donc là, j'avais une petite coquille. Donc là, voilà, tout apparaît bien en même temps. Alors là, par contre, j'ai dû mettre vertical, donc je vais le modifier. Hop, je clique, il est en vertical, je remets en horizontal. Alors pour que ce soit peut-être plus visible, hop, je vais mettre 1 seconde ici également. 1 seconde. Et notre image, 1 seconde. Voyons voir ce que ça donne. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour faire un petit coucou, tout simplement. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, il a bien paramétré. Donc, je vais continuer. Alors, bien entendu, expérimenter, tenter. Hein. Donc, je clique sur la zone du titre, le plus, et ensuite je lui propose quel type d'effet. Alors bien entendu, moi je reste sur entrée, hein, mais vous avez d'autres propositions comme des trajectoires par exemple. Alors, moi je vais prendre ouverture en fondu comme j'ai fait tout à l'heure. Bien entendu, je ne veux pas que ce soit au clic, je veux que ce soit après le précédent. Et ensuite, bah, c'est tout pour cette partie-là.
Ensuite, ben, mon texte, donc je me mets bien autour, hein, de façon à avoir cet encadrement de la zone de texte. Un petit plus. Alors, hop. Ensuite, je vais reprendre cette île. Alors, pardon. Store. Alors, pas au clic après le précédent. Alors moi je dois avoir un petit bug parce que ça souligne que j'ai pas ce problème-là. Ok. Donc là, hop là, vous voyez, petit problème. Bon, ça arrive quelquefois, hein. Toc, j'espère qu'il m'a récupéré pas mal de choses. Alors, les animations, ça c'est bon. Ça c'est bon. Alors justement, j'ai eu un petit plantage, et ben on va voir que vous avez pu remarquer que la console de récupération vous permet de récupérer le document tel qu'il a été précédemment enregistré. Donc n'hésitez pas à aller hop, faire une petite sauvegarde, soit en passant par fichier enregistré sous, ou directement, puisque là c'est un document vierge, de cliquer directement sur la petite disquette. De lui donner son emplacement. Donc là, moi, c'est dans télétravail visio. Et là, on va l'appeler écrivain 2. Alors, évitez les caractères accentués, hein, c'est vaut mieux ne pas en mettre un. Enregistrer comme ça, bah, s'il y a plantage, j'ai toujours quand même ce que je viens de fabriquer là, de pas perdu. Donc je continue, j'étais sur le store. Alors, est-ce que j'ai mis horizontal ou vertical? Alors, c'est pas au clic, c'est après le précédent. J'avais mis une seconde, donc on va remettre une seconde. Donc, cette partie-là, elle est bien après le précédent. Office. Voilà. Et ensuite, eh ben, l'image, petit plus. Je vais le faire apparaître en ouverture fondue. Ce n'est pas au clic, par contre, ce sera en même temps que le texte, donc avec le précédent. Non, c'était pas ouverture en fondue, pardon. C'était store. Et on va faire un store horizontal. Donc je vérifie que. On va peut-être lui faire une seconde aussi. Je vérifie que mes paramétrages sont bons. C'était horizontal. Voilà, horizontal. Hop, pour que ce soit cohérent. Donc, après le précédent, alors lui, ce sera cette partie-là et cette partie-là, c'est ensemble. Donc, c'est en même temps. C'est pas après. Donc, lui, ne sera pas après le précédent, ce sera avec le précédent. Si je fais un aperçu majuscule F5, donc il apparaît en fondu et on a bien en effet de store pour l'image et le texte. Bon, après, c'est la même chose pour la troisième diapo. Je vais pas aller plus loin puisque vu le temps qu'il nous reste. Donc là, on va voir maintenant si je fais une animation complète. Hop, j'ai bien ma première diapo. Donc bien entendu, j'ai appuyé sur la touche F5. Voilà, à partir de là, maintenant, il n'ira pas à la deuxième diapo. Pourquoi? Parce que tout simplement, par défaut, il attend que je clique. Et ainsi de suite. Donc, tant que je n'aurai pas cliqué, ben, je ne pourrai pas progresser. Si j'ai un timing, par exemple, ça peut être bien de créer une transition minutée entre chaque diapositive. Alors, la transition. Ça ressemble un petit peu à l'animation, sauf que là, c'est d'une vignette à une autre, une diapo à une autre. Le bouton est ici, transition. Et là, vous avez directement, vous voyez, des effets que vous pouvez voir. Voilà, petit fondu vénitien.
Alors là, vous voyez bien que c'est bien sur toute la diapo, hein. C'est pas que sur des objets de ma diapo. Hein. Voilà. Alors on va prendre quelque chose d'assez simple, hein. Je vais prendre plutôt du fondu. Voilà. Et vous retrouvez à peu près les mêmes paramétrages que sur les effets. Hein. La variante, bon ça on va pas le... Hop. Est-ce qu'on veut mettre un son? Alors c'est pour ça que tout à l'heure nous avions été récupérer une image de page qui se tourne. Alors elle n'apparaît pas là par défaut, puisque c'est dans ce cas-là dans autre son. Je vais cliquer dans autre son. Et là je vais aller dans le dossier son. Un clic sur mon fichier ouvrir. Et là vous entendez bien le son de page entre chaque page. La durée de la transition, 2 secondes, c'est très très bien. Ensuite, passer à la diapositive suivante, soit au clic, donc ce que j'avais par défaut, ou soit en automatique après un certain temps. Alors moi, j'avais paramétré 10 secondes. Et l'avantage des transitions, c'est que je peux appliquer cette transition, fondu, noir continu, 2 secondes de durée, le son de la page automatique après 10 secondes sur toutes les diapos à la fois. Donc ça c'est bien quelque chose que je vais faire en dernier. Je clique sur appliquer la transition à toutes les diapositives et j'aurai automatiquement le réglage. On va le vérifier en faisant F5. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit coucou. Voilà, les 10 secondes sont passées. Alors les 10 secondes, c'est après la dernière animation normalement. Et mon animation est terminée. Je vais enregistrer, donc j'ai pas besoin de lui redonner un nom puisqu'il existe déjà. Et ensuite, alors on a la possibilité de l'enregistrer en format automatisé, par exemple si la personne n'a pas le logiciel pour pouvoir faire la diffusion, vous pouvez très bien faire enregistrer sous, et ici dans les types lecture automatique en PowerPoint ou en PowerPoint version 2007 365. Ce sont des versions automatiques. En fait, il va générer un fichier avec le contenu et automatiquement il sera diffusable même si le logiciel n'est pas installé.